qui doit te mener vers l'oranger des âmes éternelles. Tu te souviens, celui que le signe des temps t'a montré, la graine que tu as plantée il y a des milliers d'années, dans une vie antérieure, c'est à présent un bel arbre, mais bien au-delà de cela, une personne que tu as aimée dans une autre vie s'est à présent réincarnée sur terre pour accomplir ce qui n'a pu être dans les précédentes vies. Un pacte d'amour a été signé entre vos deux âmes. Viens avec moi, tu vas comprendre. Oh, mais dis-moi, ce chemin est escarpé? Il fait très chaud par ici. Où sommes-nous? Demanda Angèle. Au pays des orangers et des épices, ma belle. Je compte bien te montrer tout cela. Et si nous allions rendre visite à cette belle âme? Pourquoi pas? C'est une bonne idée, répondit Angèle. Dans un premier temps, dit la fée, tu vas découvrir cette autre partie de toi-même sans qu'elle ne soit directement en contact avec toi. C'est d'ailleurs pour cela que cette âme a délibérément choisi de vivre loin de toi, pour que vous puissiez travailler chacun de votre côté sur vos propres souffrances intérieures. Nous savons que ce n'est pas un chemin facile, mais il est empli de sagesse, et nous savons que tous deux êtes capables de relever le défi.